Dans cet épisode, on démarre les travaux dans l'appart et on commence par la cuisine. Alors restez jusqu'au bout, car vous découvrirez en fin de vidéo la cuisine rénovée et terminée à 100%. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'appartement. Bienvenue dans ce nouveau projet. On a acheté cet appartement lillois de 60 mètres carrés totalement à rénover. Au programme, des do-it-yourself, un max d'idées partagées avec passion et amour. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous. Bon, on va à l'appartement pourquoi ? Parce qu'en fait, la semaine prochaine, on a rendez-vous avec les cuisinistes de chez Boulanger. Ils viennent installer notre cuisine et le problème, c'est que la cuisine n'est pas prête du tout. Il va falloir qu'on fasse le sol, qu'on refasse les murs, qu'on enlève l'ancienne cuisine. Donc on a du taf et ça, on aura une semaine pour faire tout ça. Donc voilà, entre ce qu'il nous reste à faire encore à l'usine. Donc on ne chôme pas les gars. Ça sent le bricolage ici. Et quelle idée de faire un nouveau projet alors qu'on a déjà l'usine. On n'a pas fini l'autre. Bon, voilà l'état de cet appartement. La cuisine, présente-la nous. T'es assorti à la cuisine d'ailleurs. Tu te fonds dans le décor. Alors le projet cuisine. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une pièce qui fait à peu près... On sait pas. À peu près, allez, à vue de nez, elle fait 12 mètres carrés. Yeah. Let's see how you do under pressure. Oh. Wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on it. Et donc ici, on va avoir un plan de travail, c'est ça? Avec des meubles hauts. Et donc ce mur va être occupé par des meubles. Tout ce mur va être occupé par des meubles. Et donc, avant de poser des meubles, il faut absolument refaire les murs. Donc ce papier peint unique en son genre. D'accord, vous voyez la couleur. Incroyable. Non mais la couleur est folle. En fait, il a bronzé avec le temps. Non, c'est... Vraiment horrible. C'est toi qui as bronzé. Et donc ça, il faut tout enlever. D'ailleurs, on récupère le mur. Là. Et derrière, regarde, on a un mur. Voilà, là on a des murs en plâtre. Donc c'est des blocs de plâtre. Il faisait ça avant. C'est pas non plus il y a 100 ans. On réenduit. C'est un immeuble des années 60 quand même, donc il date pas d'hier. Voilà, il a l'air de se décoller facilement et il n'y a qu'une couche. Alors ça, sur mon cœur, c'est une bonne nouvelle. Alors oui. L'idée, je vous explique quand même. Ici, donc, il y a la cuisine d'origine que l'on va faire sauter entièrement. Ici aussi, il y a des modules. Donc ici, on va enlever ces meubles, puisqu'ici, il va y avoir trois colonnes avec four, micro-ondes. Oh, il y a une évac à faire. Bah, elle passe où? Dans la buanderie. Donc ça c'est bidon. Franchement ouais. Ça, la plomberie je gère, t'inquiète. Ensuite ici, il y a un mur à décaler puisqu'en fait le meuf fait 60 mètres de profondeur. Quoi? Bah oui, hein. Ça. Ça il faut que ça... Et ça, vous l'avez compté? Ça saute ça? Non, ça saute, d'accord? L'encadrement va le sauter. Ici, j'aimerais bien sauter, on décale l'ouverture jusqu'au début des meubles en fait. Hein, t'as les chauffages, ils sont à fond de balle. J'aimerais bien faire sauter ça. Bah oui, ça dégage, comme ça on ouvre, voilà, on ouvre max. Par contre, j'ai oublié de faire quelque chose, il faut enlever ça. Faut enlever le chauffage aussi, avant. Ça c'est le bordel, on n'est pas chauffagiste. On n'est pas chauffagiste, mais on va l'être, non, d'accord pas si. Ça, en gros, il faut mettre un bouchon. Mais non, mais c'est du cuivre, t'as pas le matos pour faire ça, hein. On peut pas faire ça. Mais de quoi? T'as rien à faire là. Mais si. Là on met un bouchon, déjà. Bah où tu bouchonnes? Là. Ah mais ça il faut l'enlever aussi. C'est ma bouchon aussi là. Il va être trop le chauffage après. Bah il n'y en aura pas dans la cuisine. Les meubles ils viennent jusque là. Et je voulais mettre le chauffage ici en fait, à l'entrée. Puisque la colonne, ici c'est la colonne de tout l'immeuble. Donc on peut pas enlever ça. Ok, donc là. Ici, très grand plan de travail jusqu'à la fenêtre. Plaque de cuisson ici, évier là-bas. Et tout en haut, on aura plein de rangements. Et ici en fait, un plan de travail. Parce que on trouvait ça super pratique et super beau de pouvoir déjeuner face à la vue. Donc il y aura un mini plan de travail avec un petit meuble ici de rangement. Pour la cuisine, nous avons choisi la marque Boulanger. Bien que la marque soit connue pour leurs produits électroménagers et multimédia, on a appris qu'ils étaient également spécialistes dans la fourniture et pose de cuisine. Donc en fait, je ne savais pas, mais Boulanger réalise des cuisines depuis 1977. Donc c'est pas nouveau, c'est une fabrication française. Les cuisines n'étaient pas forcément mises en avant dans la boutique, mais ils font des cuisines et elles sont vraiment magnifiques. C'est Amélie, conceptrice de cuisine de formation, qui nous a accompagnés
accompagner pour réaliser une cuisine la plus fonctionnelle possible. Moi, j'avais mes idées en tête et Amélie m'a tout de suite dit « Écoute Rachel, ne me donne pas tes idées. » Elle aime en fait partir d'une page blanche. Donc en fait, elle m'a juste demandé les dimensions de la pièce et puis là, elle va me faire plusieurs propositions. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce que des fois, moi, j'ai un blocage avec mes propres idées et là, d'avoir un avis extérieur, c'est vraiment très cool. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va me faire. Une fois les plans 3D terminés, Amélie nous a proposé une expérience vraiment inédite. On va passer dans la VR Room. D'accord. Donc en fait, on a un outil de réalité virtuelle, de réalité augmentée, où en fait, on met le casque sur vos yeux et vous déambulez physiquement dans la cuisine et vous êtes en immersion totale en fait dans la cuisine. Merci beaucoup à Boulanger pour leur confiance car ils nous ont accompagnés en sponsorisant cet épisode et de notre côté, on va faire le max pour préparer le terrain. Il y a vraiment du taf. Après, le sol, on peut le faire après. Hein. Là, ça reste un appart, tu vois, si on veut changer la cuisine. Ouais, mais là, on a un timing serré où on doit faire tous les murs, couper ça, machin, faire les sols. On a une semaine. Jour pour jour, top chronos. Ouais, c'est vrai qu'il est propre. Un coup de peinture et c'est bon en fait. On commence par le tas de parking. Bon, première étape terminée, le parquet est dégagé. Maintenant, on sac la cuisine. Quelqu'un veut la récupérer? Un petit commentaire sous cette vidéo. Terminé de retirer tous les meubles et donc maintenant on va simplement de tout détapisser. Je vais commencer à m'occuper du radiateur et donc ça c'est la partie la plus chaude. Ici on a les tuyaux d'eau chaude pour le chauffage qui sont communs à tout l'immeuble. Donc là ça monte en haut pour les voisins du haut et là ça arrive des voisins du bas. Donc c'est la colonne d'eau chaude qui alimente le chauffage collectif. Donc ici on va pas pouvoir couper l'eau, sinon ça veut dire qu'on doit couper partout dans l'immeuble. La stratégie c'est de venir geler, parce qu'en fait si on coupe ici le tuyau, bon, y a de l'eau qui va couler partout, ça va être un enfer. Et on pourra pas la stopper, on pourra pas mettre de bouchon, etc. Donc là on va venir geler le tuyau. Oui, vous avez bien entendu, on va venir geler le tuyau pour qu'à l'intérieur l'eau gèle et ça crée un bouchon. Ce qui permettra ensuite de couper ici et de mettre une petite vanne et de le stopper pour toujours. Comme ça on peut retirer ensuite derrière le chauffage. Donc là pour ça on a été chercher chez nos amis de Repamine, nos amis belges, toujours très cool. Ils nous ont prêté ce congélateur. Donc c'est une machine qui génère du froid et tout simplement en fait à l'intérieur, voilà, à l'intérieur on a ici des mâchoires. Donc avec ces mâchoires on va venir serrer le tuyau et ici ces éléments là vont générer à fond du froid sur la mâchoire et ça vient geler le tuyau. C'est un bon plombier. J'adore la plomberie, mais. Merci à tout le plombier. D'accord, ok. T'as écouté Emilien, il faut que tu mettes les bouchons. Ouais, on y va. J'y croyais plus. On a réussi, c'est grâce à toi.
Merci du fond du cœur. Si t'as besoin d'un coup de main. En fait. Je ne sais pas ce que je maîtrise dans ma vie. En fait, gars, c'est une notice quoi. C'est une notice de la plomberie. Putain, on a réussi comme ça à la fin, au dernier moment, sur la dernière partie. C'était mal parti. Et d'un coup, accélération et on passe devant tout le monde. Je vous explique rapidement parce que on avait loué cette machine pour geler les tuyaux et donc les raccourcir et mettre un petit raccord, une vanne, juste pour les raccourcir puisqu'on va couper ce mur-là. Il s'avère que ça n'a pas fonctionné de geler les tuyaux, donc sachez-le. Pourquoi ? Parce que je pense que bah, c'est des tuyaux d'eau très chaude, puisque c'est pour l'échauffage. Et tout simplement, à mon avis, ça n'a pas réussi à geler l'eau, elle était trop chaude. Et finalement, au dernier moment, on s'est dit, mais ça se trouve, il y a des vannes à la cave. On a réussi à couper du coup toute la colonne d'eau de l'immeuble. Tant pis pour les voisins pendant une petite heure, quoi. Mais en coupant ça, il n'y avait quasiment plus de pression dans notre tuyau. On a su couper, même s'il y avait un peu d'eau qui coulait, on a su couper, mettre le raccord. Coup de vanne, et c'est réglé, mais merci. Ah, merci à la DJ Plomberie. Non, ben, on a une belle épine du pied qui est partie. Là, dans ma chaussure, il n'y a plus rien. Pourtant, il y avait plein d'épines depuis ce matin. Il y en a plus. Moi, j'ai une grosse épine dans ma vie et il part pas. Il part pas facilement. C'est une grosse épine. C'est une grosse épine. Alors, fin de la première journée, évidemment. Les murs sont à peu près à nu. Au niveau plomberie, on a réglé les sœurs d'échauffage, on peut casser la porte. On est loin d'avoir fini. Hein. Ouais, mais on a réussi à faire tous les objectifs qu'on s'était mis en tête pour aujourd'hui. Détapisser, enlever les plaintes. On va porter plainte maintenant. On va porter plainte à la déchetterie. Ouais, et arrête tes vannes. Des vannes ? Tes vannes, les vannes ? C'est vrai, les vannes ! J'ai arrêté avec mes vannes alors que j'ai déjà fini. Ça fait longtemps que j'ai arrêté avec les vannes. Qui pense que c'est un sol en amiante ? Voilà, selon vous, est-ce que ce sont des dalles en amiante ? Bah oui, on a eu un diagnostic de l'appartement, les dalles sont en amiante. Ok, donc il faut les évacuer, c'est un nouveau problème pour la cuisine, on a besoin d'évacuer des dalles en amiante. Ouais. Dans la semaine, il va falloir mettre un masque. Parce que là, ça va piquer. Retour à l'appartement aujourd'hui, les amis. Alors, on a tout enduit, on a fait une première phase d'enduit, histoire de reboucher les gros trous, mais il faudra faire une phase de finition, et là, aujourd'hui, je vais attaquer l'ouverture de la porte puisque la porte d'entrée vers la cuisine, il faut l'agrandir. On va agrandir le passage. En fait, ce sera plus une porte, ce sera vraiment juste un passage. Donc voilà, c'est parti. On attaque tout de suite la démolition. Ça va faire un peu de boucan. J'espère que les voisins sont prêts parce que ça va péter. Et ça va péter. Péter. Ok les amis, alors petit point d'étape, ça fait peut-être 2 heures que j'ai commencé et j'ai vraiment bien avancé, je suis content. J'ai complètement ouvert le mur, donc on avait la porte ici, toute cette partie là je l'ai coupée. Alors je l'ai coupée, donc c'est des carreaux de plâtre, c'est des blocs de plâtre qui sont emboîtés. Là on voit justement la jointure, donc ils sont collés ensemble. J'ai coupé la cloison directement avec une scie à bois. Une scie à bois, c'est ça. Voilà, ça permet de couper du bois, du métal, etc. Et c'est plutôt un outil hyper maniable. Donc on a juste une longue lame et on peut venir couper un peu ce qu'on veut. Contrairement à une scie sauteuse ou d'autres scies qui sont plus limitées. Celle-là, on peut couper un peu des gros trucs, des gros objets, des gros murs. Et là, en l'occurrence, je suis venu foutre un coup de scie. Et ce qui est top, c'est que bah, du coup, ça, si on fait attention et qu'on va droit, on a tout de suite une finition vraiment ok.
Là, j'ai plus qu'à mettre une petite bande armée ici, enduire et c'est terminé. Bon, maintenant que j'ai fait toute la grosse démolition, il va falloir que je pense à la plomberie, à l'électricité. Donc pour ça, je vais reprendre les plans techniques que m'a fourni le poseur de la cuisine. Donc nous, on va la faire poser. Voilà, c'est un peu le seul, c'est la seule chose qu'on fera faire dans cet appartement. Donc on nous a demandé, nous, de placer évidemment des arrivées d'eau, des évacuations et des arrivées électriques. Ici, de base, on a l'évacuation qui est en face pour l'évier et l'arrivée d'eau chaude, eau froide pour l'évier également. On a que ça. Le problème, c'est que on va avoir un micro-ondes ici, un lave-vaisselle ici, un évier là-bas, une gazinière, machin, un four ici. Grosso modo, il y a grave du taf. Donc ce qu'on va faire maintenant, et ce que je vous conseille, c'est d'écrire sur les murs tout ce que vous devez faire arriver. Donc là, on va mettre des prises, on va les dessiner, on va écrire si c'est du 6 carré, du 2,5. Et pareil, pour les évacuations, on va dessiner là où on doit faire arriver. Ça permet d'être tranquille, de ne plus regarder vos plans sans arrêt, et vous pouvez avancer sans perdre trop de temps. Une bande armée sur chaque coin et tout enduire et ça sera nickel. Let's go, on va utiliser cette bande armée, no coat, ça va faire le taf, elle est très large mais bon, j'avais ça en stock, c'est parti. Bon, on est dans l'appartement, ça fait une heure qu'on parle électricité parce qu'on a une problématique. En fait, on a des murs qui sont soit en carreau de plâtre ou soit en béton. Et on a pas mal d'électricité à faire sur ce mur-là. Est-ce qu'on fait des tranchées dans tous les murs pour mettre les prises qui sont encastrées dans les murs? Ouais. Ou est-ce qu'on met tout le câblage en saillie derrière les murs avec des prises en saillie, etc. Sachant qu'il y a des meubles de cuisine partout qui vont tout cacher. La question, ouais, c'est est-ce qu'un jour, finalement, on aura envie d'enlever tous les meubles et que ce soit une autre pièce et que bah, du coup, l'électricité elle soit faite propre quand les murs seront à nu, mais ça n'arrivera jamais, puisqu'en fait, ce ne sera jamais autre chose que de cuisine, et il n'y aura jamais autre chose que des meubles de cuisine. Et... Donc pour moi, ça oui, mais c'est parce que nous, dans notre... Dans notre logique, en fait, c'est pour ça qu'on parle depuis une heure, c'est parce qu'en fait, on a envie de faire les choses propres à chaque fois, les choses carrées, et là, clairement, c'est clair qu'en en fait, on va faire un truc carré pour avoir des meubles en face, et en fait, on ne va rien voir de tout ça. Donc là, on est en train d'acheter les prises sur Saïe. Donc on a le choix, il y a plein de marques, hein, mais c'est vrai que visuellement, je préférais celle-ci. Et les goulottes sont juste au-dessus. Donc est-ce qu'on prend ça ou ça? Ouais, je pense qu'une petite goulotte comme ça, ça suffit. Mais là, c'est pour les prises. Deux câbles, tu vois. Non, tu mets trois, là. Ça passe, trois. Ouais. Ok, allez, on prend tout ça, on se retrouve à l'appart. Bon, eh bien, on vient de décharger la caisse. On en a eu pour 454€ chez Leroy Merlin. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout, en fait, aujourd'hui. On passe toute l'électricité, on passe tous les PER, on a acheté tous les raccords qu'il faut pour partir du cuivre en PER. Regardez l'état de la cuisine, ça me fait rire, parce que dans deux jours... En fait, on a eu le rush de Noël, on a le rush de la cuisine, c'est à chaque fois un carnage. Notre vie, c'est un rush. Donc voilà, c'est dans quel état on est. Elle t'a pas été électrocutée, là, en fait. Bah écoute, je prends le risque, j'en peux plus. Il y a des bouts de fil là! Je rigole pas en plus! Je n'en peux plus! Non mais ça aurait été drôle là, le. Allez, on attaque tout de suite, on fait de toute façon, vous allez voir là, ça va être du timelapse. On va arrêter de blablater, on fera un petit focus à la fin. Oui, attends, et puis moi, pendant que tu fais tes câblages et les PER, moi je vais enlever toutes les dalles ici au sol. En fait, on a eu un diagnostic en achetant l'appartement et apparemment ces dalles-là sont en amiante. Donc du coup, on va se protéger tous les deux. On a acheté des combinaisons intégrales, des masques et on va bien mettre ça dans des sacs blancs pour pouvoir les déposer en déchetterie gratuitement. Il y a certaines déchetteries en fait qui acceptent ce genre de déchets en amiante.
Et voilà. Allez, on attaque. Personne n'entend. Ah ouais. On n'entend rien. Même toi, tu ne dois pas t'entendre en fait. Mais moins que d'habitude. I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What should we do? I said you can do what you want to with me, yeah I won't mind. Bon alors on vous filme 2 minutes parce qu'on garde nos masques sur nous mais c'est un peu galère à enlever. Et on a regardé une petite astuce sur internet, en fait il faut chauffer les dalles en amiante. Donc du coup on a pris la décolleuse à papier peint et ça fonctionne vraiment bien. Ça se décolle vraiment facilement. Et regardez là comment ça se décolle. C'est magico. En fait, je voulais vous montrer quand même à quel point ça ressemble à des dalles de PVC. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et du coup, ben voilà, avec la décolleuse, c'est vrai qu'on prend beaucoup moins de risques puisque les dalles, au final, ramollissent et il n'y a aucune casse. Donc, la complexité dans l'amiante, c'est justement quand on casse les dalles. En fait, il y a de la poussière d'amiante qui peut... Enfin, des particules d'amiante qui peuvent se coller. Néanmoins... Renseignez-vous auprès soit du syndic ou surtout de votre commune pour savoir si vous pouvez retirer l'amiante tout seul, etc. Demandez l'accord, c'est important, nous on l'a fait. On a demandé au syndic qui gère ça et on a eu l'accord pour retirer ces dalles-là. C'est bien chaque jour de se mettre des objectifs pour savoir si le soir, quand on part, on a atteint nos objectifs. Et alors, on les atteint jamais. Si, on a bien avancé. Franchement, il n'y a plus de sol en amiante. Il y a encore quelques détails à faire, mais c'est ce qu'on se disait en fait avec Emilien. Il nous reste 2 mains avant que la cuisine arrive. Et clairement, demain, l'objectif, c'est de poser le sol. Donc, surtout au niveau arrivée d'eau. Mais en gros, on a fait un raccord sur du cuivre. Sur du cuivre. Donc en fait, il est possible de couper un tuyau en cuivre et de partir sur du PER, donc plus souple, plus facile à travailler, sans soudure, etc. Simplement, c'est serré. T'as pas de pince de sertissage, t'as rien en fait. Voilà, pas de soudure, pas de sertissage. Bon, nous sommes le mercredi 25 janvier. Cet après-midi, on a la livraison de la cuisine et demain, pause de la cuisine. Donc du coup, j'ai eu un gros coup de pression hier et j'ai appelé notre ami Vincent. Le menuisier avec qui on travaille depuis pas mal de temps. Et du coup, ben, il nous aide à poser le sol pendant qu'Emilien continue l'électricité. Donc il est en train de faire une première ligne au milieu de la pièce et après, on va repartir vers la gauche et vers la droite. Donc on part en time-lapse et c'est parti! Te estoy invitando a mi fiesta. Escucha mi salsa buena y mi
bien, nous sommes le jeudi 27 janvier, il est 6h30 du matin. En fait, la livraison de la cuisine arrive à 7h30 et le poseur à 8h. En tout cas, c'est plus ou moins propre ici au niveau de l'électricité. Bref, c'était trop la course. François, s'il te plaît. Poser, en train de poser la cuisine ici, on peut déjà apercevoir la petite cave à vin. C'est vraiment pas large, ça se met vraiment partout. Histoire de mettre quelques bouteilles, histoire de picoler de choupette à ta paillette, tu sais. Et puis la plaque et le four. Le frigo encastré. Et ici, on a le lave-linge qui sera dans la cuisine. Non, je dis n'importe quoi. Et ici, on a le lave-vaisselle qui sera dans la cuisine aussi, du coup. Might bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. On est trop content, le plan de travail il est magnifique. Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Big flex, my swole up. Bon, eh bien, nous sommes dans la cuisine. On est allé chercher une porte puisque j'ai défoncé la porte de la buanderie et j'ai défoncé le mur avec. Donc, Emilia est ravie. Et c'est la première fois qu'il pose une porte avec un bâti. Donc, Sans mur, ouais. Et sans mur. Mais non, en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'effectivement, j'ai été un peu fort sur la masse, mais le bâti en bois, là, il était fixé avec des tiges filetées métalliques sur tout le tour. C'est ça qu'il faut le découper. Et il y a des câbles ici, et ils ont plâtré tout le tour comme ça. Donc, c'était vraiment la galère. Et à ce niveau-là, en fait, il y avait des interrupteurs plus une équerre dans le mur. Donc, quand j'ai arraché l'équerre à la masse, ça va pas enlever tout le mur. Quand j'ai enlevé l'équerre était incrustée dans le mur, donc ça s'est arraché. C'est tout, j'ai pas fait exprès. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Donc l'idée c'est d'enlever le reste du bâti de porte, donc du coup je laisse Emilien faire. Tu verras à quel point c'est compliqué. Non. Et moi, en attendant, je suis en train de repeindre tous les murs ici. Et en fait, j'ai trouvé une technique pour avoir un mur à effet à moindre coût, les gars. Franchement, c'est génial. C'est-à-dire que j'utilise de la peinture classique. Et dans la peinture, je mets du bicarbonate de soude, ce qui donne un peu l'effet béton ciré. Quand vous l'appliquez, il y a cet effet un peu granuleux sur le mur. Mais ensuite, avec du 240, vous venez un petit peu égrainer le support et vous avez un mur super doux avec des effets de matière, un peu comme la chaux et le béton ciré. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on voulait en fait dans la cuisine. Avec le robinet noir, je trouve que ça ressort vraiment beaucoup. Vous voyez l'état de l'appartement, on a tout éclaté. En fait, ça agrandit vraiment l'espace quand on casse les ouvertures jusqu'en haut. Donc c'est ce qu'on va faire sur la porte qui est juste en face. On va en fait ouvrir en créant une arche, mais elle ira jusqu'en haut. Alors les petits potes, petite info quand même, parce que ça c'est une vraie galère quand on remplace les bâtis de porte sur des cloisons comme ça en carreaux de plâtre plein. Déjà pour enlever les anciens bâtis, bah t'arraches et
peut faire un peu de la merde, comme on a fait là. Et bon, il va falloir reboucher. Et ensuite, bah, comment se refixer? Alors, en théorie, on vient mettre des équerres métalliques sur le bâti en bois, notamment au sol, et qu'on vient fixer sur le sol. Là, c'est devenu très complexe, puisque le mur est déjà monté. Et ensuite, en théorie, on monte le mur après, en fait. La petite astuce que j'ai trouvée, moi, après avoir fait les tests, c'est que je viens foutre des vis très longues comme ça. Ça, c'est des vis qui sont faites pour visser dans du béton directement. Donc, genre, tu perces d'abord un trou, et après, tu viens visser ta vis. Sans cheville en plastique ou autre. Et en fait, j'ai trouvé que ça marchait bien, et ça tenait bien dans le plâtre. Il y a peut-être d'autres moyens, mais là je dis juste la technique que j'ai trouvée. Alors j'en ai mis une là, voilà. D'abord en fait je perce avec un forêt plus large pour que je suis sûr que ma tête de vis elle vienne à l'intérieur. Je mettrai de la poêle à bois et tout, je viendrai poncer, repeindre, donc ça disparaîtra le trou. Et donc je viens visser et je viens m'enfoncer au plus profond à l'intérieur du carreau de plâtre. Ça tient grave bien. Là il n'y a qu'une vis, je vais mettre les autres et ça marche bien. Et donc je viens me plaquer à fond contre le plâtre et une fois que j'aurai fait ça, je vais venir tout combler avec du map. Moi ici là c'est un peu la merde parce que tout ça on a une fissure et le bloc il bouge. Ça bouge. Du coup, je vais carrément l'enlever et le recoller. Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! J'ai fait un petit coffrage pour les prises là sur la cuisine et donc avec une coupe à 45 collée avec un petit coup de ponçage, c'est ouf, mais on voit vraiment rien au niveau de l'arête là, on voit pas, c'est parfait. Jour de chance, les amis. Avant d'aller sur le chantier, on est passé prendre des tickets à gratter pour rembourser nos frais. Regardez, elle gratte, on voit ticket d'or. Et en fait, ticket d'or, c'est en fait, tu gagnes la somme de tous les montants des numéros gagnants d'en haut. Alors, c'est ça pas fait des combien, gros montants, mais 80 euros. Ah bon? Donc, 80 euros, ça fait plaisir. Bon, c'est bien. C'est combien prend, de plaques de placo? On remise pas là. On encaisse, on met sur le compte, on va à la banque, on dépose tout de suite, tu vois, sinon ça ressort de la poche. On a pris une plaque à biteaux à l'usine, puisque on vous en avait déjà parlé, mais cette plaque elle est vraiment beaucoup plus robuste et c'est vraiment un endroit où on va claquer nos pieds forcément sur le mur, puisqu'ici il y aura deux petits tabourets pour déjeuner face à la fenêtre. Et donc voilà, la plaque s'y prêtait plus. Bon bah écoutez, comme la cuisine se termine, la plaque fonctionne, on va pouvoir se faire à manger. Donc ce midi on a ramené la petite casserole à l'appart. La poêlée elle est où? Poêlée périgourdine? Poêlée au poulet? Là c'est parti. Casserole compatible induction. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Envoie le poulet. Ouais!
Franchement, c'est bien mieux que de manger ça que de manger McDo. Ça y est, la première pièce de l'appartement est terminée. La cuisine, j'espère que ça vous plaît. Nous, on est ravis parce qu'elle est ultra fonctionnelle avant d'être super belle aussi. Donc, on va faire un petit tour ensemble. Vous présenter quand même chaque fonction de la cuisine un petit peu plus en détail parce que là, vous avez vu la pose et tout. Bon, alors, on va faire un petit récap au niveau de la cuisine. Donc, il y avait une petite porte et juste ici, on avait vraiment une cuisine avec tous les meubles en dessous de la fenêtre, donc en fait ça rétrécissait visuellement la pièce. Donc avec Amélie, c'est d'ailleurs Amélie qui nous a proposé ce projet, c'est de réaliser une cuisine tout en longueur, donc c'est vraiment ce qui nous a plu dans ce projet. Donc on a vraiment toute une partie meuble bas et meuble haut qui se trouve ici avec la plaque de cuisson et l'évier. On a eu un gros coup de cœur pour ce plan de travail, c'est un plan de travail en céramique. Donc anti-choc, vous pouvez mettre du chaud dessus et tout ça, mais ça apporte vraiment beaucoup de caractère et on aime beaucoup. Petit détail ici, d'ailleurs on regrette à l'usine, mais on n'a pas fait faire ça. C'est directement en fait sur la céramique, ils ont incrusté en fait les boutoirs et ça je trouve ça trop pratique. Pour casser aussi visuellement au niveau des meubles hauts, j'ai demandé à Amélie de mettre deux étagères en bois pour réchauffer un petit peu le tout. Et pour mettre une petite touche de déco, mais je trouve que visuellement ça allège un petit peu. On a ici des grands casseroliers, hyper pratiques également. On en a mis deux ici. Là, on est sur un grand rangement couvert, trop pratique également. On a ce genre de petits accessoires en plastique qui vous permet en fait de régler au niveau des ustensiles de cuisine. Ici on a le four, donc on a pris une plaque à induction. François, le poseur, d'ailleurs on adore François, il est venu poser la buanderie à la maison et franchement il fait un travail de dingue. Ici par exemple c'était de base un placard qu'on aurait pu condamner, mais il a fait tout un travail ici de découpe pour pouvoir mettre des étagères qu'on puisse également s'en servir, puisque là il y a la hotte qui est encastrée, on la voit absolument pas et je trouve ça très pratique. Voilà, quoi dire de plus. Ici c'est pareil, au niveau de la fenêtre on était un peu coincé et Amélie en fait est venue mettre des rangements. Et ça c'est quoi? Ça c'est une petite erreur qu'on a faite, franchement on est trop deg. En fait, on a laissé le film plastique, vous savez, pour protéger les meubles pendant un certain temps. Et avec le soleil, en fait, le film plastique s'est collé à la façade. On a essayé à l'acétone, au dissolvant, et en fait, ça part pas. Donc, si vous avez une astuce, on la veut bien. Donc, faites pas la bêtise. Nous, on l'a laissé pendant des semaines, et c'est vraiment l'erreur. Donc, voilà. Sinon, ici, je trouve ça canon. Regardez, en plus, avec ce beau soleil qu'on a aujourd'hui, on a voulu, comme on n'avait pas la place pour une table ici pour déjeuner, on a voulu avec Amélie faire un petit bar devant la fenêtre pour qu'on puisse déjeuner. Et je trouve ça hyper agréable. C'est pas très profond, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut pour pouvoir se poser, prendre un café le matin. Donc, trop pratique. Et plutôt que d'avoir du vide ici en dessous, on a mis un placard qui se trouve à côté de la buanderie. Donc, on mettra ici tous les produits d'entretien. On a rajouté également ici, comme vous voyez, plein de prises. Donc, c'est un truc qui se referme comme ça. Et on peut charger nos téléphones, brancher un peu ce qu'on veut. Et Emilien a fait ça à merveille. On a rajouté également des prises là-bas. Tu es fier de ton travail, mon cœur ? Oui, ça passe bien. Pour rappel, il y avait un meuble vraiment trellé avec une petite table. Sur ces trois colonnes, on va retrouver le frigo avec nos réserves de chantilly. Ça pue d'ailleurs, si tu peux le fermer. Et le congélateur, voilà, très pratique. Gros regret aussi pour notre cuisine à la maison, je voulais un... Franchement, ça a l'air trop pratique. La vaisselle en hauteur, c'est... voilà, on se casse pas le dos.
C'est vrai que c'est hyper pratique, c'est la petite astuce. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? En fait, il faut faire avec le pied comme dans les voitures. Tu fais ça. T'as raison en plus, tu la feras comme ça. Ah oui, tu fais ça. Je suis con, moi. Et là, grand placard à pharmacie pour mettre les céréales et tout. C'est vraiment trop pratique. Donc, on est trop contents, franchement. Ouais, non, c'est le feu. Ça agrandit vraiment l'espace et le fait d'avoir ouvert ici avec cette arche. Non, l'arche, elle est cachée, on ne le montre pas. C'est dans le prochain épisode. Je ne montre pas là-dessus. Tu veux pas dire? Bravo à Amélie. Amélie qui a fait un super taf de modélisation, d'organisation. On avait même pu visiter la cuisine en 3D avec un casque virtuel en fait. On avait pu se projeter chez Boulanger. Ça, ouais, c'était vraiment bien fait. Pour le coup, franchement, il y a zéro différence. C'est-à-dire qu'en casque virtuel, c'est vraiment à l'identique. On se projetait vraiment. Et pour ceux qui ont du mal justement à se projeter, n'hésitez pas à faire la demande. Vous allez avec vos dimensions et vous allez pouvoir voir votre cuisine comme ça sur place. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce premier gros épisode de l'appartement. Rénovation de la cuisine complète. C'est la première fois qu'on fait un épisode où on fait une rénovation complète en un seul épisode. Donc dites-nous si ça vous plaît, ce genre de contenu. Alors, en tout cas, c'est ce qui est prévu pour l'appart. Aussi, on mesure vraiment la chance que l'on a d'être en collaboration avec la marque Boulanger. Mais encore une fois, une cuisine, c'est du simple au double. Donc nous, on a choisi de très beaux matériaux. Mais tout le monde a déjà mis les pieds chez Boulanger. Vous savez à quel point il y a du choix au niveau même électroménager. Donc vous faites vraiment en fonction de votre porte-monnaie. Et à ce sujet, on vient de publier sur Instagram un grand jeu concours pour gagner deux bons d'achat de 2 500 € pour votre projet cuisine ou buanderie. Le lien est en description. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la rénovation du couloir, des toilettes. Et n'oubliez pas, un petit pouce sans l'air. Un ploup. Un petit pouce. Un petit ploup sans l'air. Un petit commentaire. Ça nous pousse à en faire. Ciao.